Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui je tourne l'autre tag du mois dernier à la suite avec celui-ci. Et donc on a gardé quand même le côté un peu lumière qui clignote, le côté un peu creepy et compagnie, parce que même si on est à cheval le mois de novembre, c'est ni Halloween ni plus Halloween, hein, on va rester quand même dans le thème. Et cette fois-ci j'ai voulu vous faire le tag zombie apocalypse que j'avais trouvé sur la chaîne de Emma Bossé, où à l'époque sa chaîne s'appelait encore Emma 04044. Donc cette fois-ci il n'y a que 15 petites questions donc que je vais y répondre tout de suite. Donc bien entendu on reste dans le contexte où c'est la partie zombie apocalypse, donc la question numéro 1 c'est quel youtubeur je voudrais avoir dans mon équipe pour pouvoir survivre aux horribles zombies. Là tout de suite qui me viendra en tête, je dirais le grand JD. Voilà, parce que lui il a peut-être un bunker dans lequel je pourrais aller me cacher, parce que lui il a déjà fait des trucs de survivaliste et d'aventure où il a été dormir dans la forêt, observer les animaux et compagnie, il a déjà testé des trucs style des filtres pour pouvoir boire dans les flaques d'eau, je sais pas, spontanément j'ai pensé au grand JD. Et question numéro 2, un objet qui est immédiatement à ta gauche et qui te servira d'arme. Je vais tataner les zombies avec mes crocs. Oui, parce que quand je tourne mes vidéos, je pose toujours mes crocs à ma gauche. J'y avais pas réfléchi à ça. Sinon, il n'y a rien autour. Juste mes crocs. Donc, je vais tuer les zombies à coups de tatane de crocs. Bon, accessoirement, je vais peut-être les customiser, leur mettre des pics en dessous pour les tataner avec des pics, mais... tatane de zombies. Le 3. Autre situation. Je me suis transformée en zombie. Et si je suis un zombie, qui est-ce que je mangerai? Je pense que je risque de faire une petite indigestion... mais je mangerai bien quelques petits collègues de boulot. On ne citera personne, mais je me ferai bien une petite régalade. 4. Et si mes deux parents devenaient des zombies, qu'est-ce que je leur ferais? Bah je les tuerais, bien entendu. Quelle question. 5. Veux-tu que l'apocalypse zombie arrive? Non, pas vraiment, même si ces derniers temps, je pense que le tag est de circonstance et que je pense que vu les circonstances actuelles au niveau de l'épidémie, c'est un petit peu une forme d'autre forme d'apocalypse. Donc on en a les prémices, mais on va s'arrêter là, j'en voudrais pas plus. Voilà, parce que on voit comment ça se passe, et généralement, on s'est bien connu, c'est pas des zombies de quels il faut avoir le plus peur, mais continuellement des humains. Apocalypse ou pas apocalypse, ça ne changera pas grand-chose en vérité. Bref. Donc voilà pour ce tout petit minuscule tag, donc n'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas... le thème zombie, c'est quand même un truc qui donne à réfléchir, de se dire... ce serait quand même pas mal la schmoute, mais en même temps le comportement humain ne se changerait pas d'habitude, il y aurait toujours de la du meurtre, de la corruption, du voilà, ce serait toujours aussi gay parce que l'humain, même quand il doit survivre, il est encore pire que maintenant, ou même pas, parce que là en fait il doit même pas survivre. Actuellement on doit pas survivre contre les zombies, on doit survivre entre humains et face à la société. Bref, on va aller s'arrêter là. Je vous laisse donc pour cette vidéo. J'espère que ce micro tag vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à le faire en commentaire. Ça peut être marrant de quel genre de youtubeur vous pourriez avoir envie de passer votre apocalypse zombie. Alors est-ce que vous allez faire le choix de passer votre apocalypse zombie avec un beau gosse, avec quelqu'un qui a l'habitude de survivre, ou tout simplement avec le youtubeur avec lequel vous aimeriez être coincé parce que c'est le youtubeur que vous avez comme préféré? Honnêtement, j'espère que vous ne choisirez pas moi parce que je suis peut-être pas la plus maligne pour pouvoir survivre aux zombies. Mais je suis pas non plus la PDB. Bref, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou !